YouTube et bienvenue à Food Découverte. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les nouilles instantanées chapaghetti. Qu'est-ce que le chapaghetti? C'est comme je vous disais, c'est des nouilles instantanées qui ont le goût du jajangmyeon. Pour ceux qui ne connaissent pas la culture coréenne, le chapaghetti, c'est des spaghettis avec une sauce de haricots noirs fermentés, servis avec des légumes et de la viande. Donc, je vais vous montrer ce que c'est que le chapaghetti. Donc, ça ressemble à ça. Donc, il pèse 140 grammes et il apporte 1810 kilojoules et 434 calories pour 100 grammes. Donc, si je ne me trompe pas, pour 140 grammes, il devrait apporter à peu près 430 kilocal de calories. Donc, je vais ouvrir le paquet. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on a les nouilles instantanées qui ressemble à un cercle, un rond, quoi. Donc le premier sachet contient l'huile d'olive, le deuxième sachet contient donc les condiments et le troisième sachet contient donc la sauce. Donc je pourrais faire donc le chapaghetti et suivre le manuel d'instruction qui est derrière, mais bon, ça sert à rien, vous savez tous lire et préparer. Mais donc je vais vous montrer une petite méthode pour améliorer donc le goût de ce chapaghetti. Donc on va allumer le feu. Pour ceux qui ne savent pas comment ça doit être cuisiné, donc c'est simple. Vous mettez à bouillir 600 ml d'eau, puis vous mettez les pâtes et les condiments pendant 5 minutes. Après, vous égouttez tout en gardant 4 cuillères à soupe d'eau, et quand vous avez fait, vous mélangez les 4 cuillères à soupe d'eau, la sauce et l'huile d'olive, et vous mélangez. Voilà. Donc moi je vais vous montrer une petite méthode pour améliorer le goût. Pour cela, pour améliorer le goût, il vous faut donc un pomme de terre, un petit bout de chou blanc, la moitié d'une carotte, des petits morceaux d'oignon, deux morceaux de courgette et deux petits morceaux de concombre. Donc le temps que l'eau bouge, je vais peut-être préparer la chose. Donc, pour l'oignon, généralement, vous prenez en dés de 1 cm. Mais bon, généralement, vous prenez, vous faites à peu près ça comme taille, et ce sera bon. C'est pareil pour le chou blanc. Petit dé de 1 cm. Vous pouvez utiliser l'échine, c'est un peu mieux pour le chapaghetti. Donc voilà. Donc pour la pomme de terre, ça commence à bouillir, je vais mettre l'eau en attendant. Alors pour les pommes de terre, pareil. On coupe 1 cm à peu près. Ça commence à faire bouillir. Et voilà. Bon, les carottes, c'est pareil, sauf qu'on n'utilisera que la moitié d'une carotte. L'autre moitié. Hein.
Ouais, donc on va couper en fines lamelles. C'est pour la décoration. Ouais. On va le laisser dans un petit coin. Donc là, ça fait à peu près 5 minutes. Donc on va pouvoir éteindre. Décanter. Alors ne jetez pas la sauce parce qu'on en aura besoin. Donc quand vous aurez établi à enlever cette pâte, on va nettoyer à l'eau froide. Donc on a juste nettoyé, rincé à l'eau froide pour garder l'élasticité des pâtes. Donc là, on va être simple. On va commencer à donc à utiliser. Donc vous allumez votre feu dans une poêle. Vous déversez donc l'huile d'olive. Donc, quand vous avez versé l'huile d'olive, vous allez commencer à faire cuire la viande. Donc, si vous voyez que ça commence à bien cuire, vous allez introduire les oignons et les carottes, plus les pommes de terre. Quand vous allez bien mélanger, vous allez introduire donc les choux blancs et les courgettes. Quand vous avez fini, donc avec ce petit monde, donc vous ajoutez les condiments, puis l'eau que vous avez utilisée tout à l'heure. Alors vous allez mettre de l'eau jusqu'à ce que vous recouvrez légèrement les aliments, pas plus, ça sert à rien. Et vous allez donc après ceci ajouter la sauce en poudre.
Vous voyez que la coloration commence à devenir un peu plus dense. Donc, hop. Vous mélangez toujours jusqu'à ce que vous ne voyez pas de petits morceaux noirs là, comme vous voyez. Donc, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Et là, vous laissez un petit peu bouillir. Alors pour ceux qui veulent savoir comment est-ce que c'est prêt ou pas, bah c'est voir le degré de votre pomme de terre. S'il est pas, si la pomme de terre n'est pas cuite, bah ça veut dire que c'est pas prêt. Donc, mais n'oublie pas de bien doser l'eau au début, hein. Généralement, on va attendre, de toute façon, on a que ça à faire. Ah, là, ça commence à être beau. Là, c'est cuit. On va rajouter une petite touche de soja, une petite, hein, pas beaucoup, hein, pour donner ce petit goût de. Petit goût fantastique. Et c'est prêt. Donc vous mettez ceci sur votre spaghetti. Tadam! Et vous rajoutez donc les petits concombres au-dessus. Et voilà. Donc vous avez le petit chapaghetti instantané qui est devenu quelque chose qui ressemble à une vraie chapaghetti. Donc vous mélangez. Ça m'a coré, hein. Hop. Et là, vous avez donc un chapaghetti qui ressemble à votre jajangmyeon. Je vous souhaite bon appétit et à la prochaine.